Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici arrivé à Argenteuil, à la maison mécanique. J'ai été contacté par la marque espagnole Galfer. C'est une marque de disques et de plaquettes de frein. Donc ils m'ont proposé d'équiper Z. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La marque Galfer, ils font ça pour les VTT, pour les maxi scooters, aussi pour les scooters et pour les grosses bécanes comme les nôtres. Donc on va tester un peu ça. J'ai un pote d'ailleurs qui a ça sur son T-Max Turbo et il en est super content. Vous allez voir le design des disques, c'est juste sublime. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est mécanique. Allez go! Donc voici ce que m'a envoyé Galfer. Regardez-moi ce disque avant. Il est juste sublime comparé à un disque d'origine. Visuellement, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, sur le Z, vous avez deux disques à l'avant. Ça, c'est le disque arrière. Voilà le design sublime. Les plaquettes et la petite casquette pour aller bien. Bon, je vous fais un petit comparo avant que ce soit démonté. Mais regardez. C'est quand même beaucoup plus esthétique ça. Bon, Z déjà à 25 000 km, donc les disques ils ont quand même un petit peu servi. Hein. Surtout qu'en ville on freine pas fort, mais on freine souvent quoi. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Bon, désolé pour mon collecteur, ça fait 2 semaines qu'il pleut, donc j'ai pas pu l'astiquer. Ça y est, la roue est démontée, donc là je vous fais un petit comparo. Voilà, regardez, hein, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus joli tout ça, non? C'est magnifique. Donc là il y aura juste à démonter les vis qui sont ici, à replacer l'autre disque. Simple et efficace. En fait, démonter des disques, c'est pas très difficile. Eh ben dis donc, voilà, ça fait une belle différence quand même. Hein. Ouais, niveau taille c'est bon, mais... Ah ouais, là, ça va être magnifique ça. Bon là je vous ai posé les deux disques, donc celui d'origine et le Galfer. Il y a quand même un sacré coup de design en plus sur celui-là. Hein. Donc là ils sont percés, là c'est ventilé, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Après celui-là il a 25 000 donc il est un petit peu moins épais quand même. Mais bon, ouais voilà, il a fait son taf, comme dirait le collègue. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici vous avez donc une flèche, un disque ça a un sens, donc vous avez une flèche ici. C'est très simple, il y a juste à se reporter sur la flèche qui est sur le pneumatique. Et voilà. Quand c'est comme ça, donc vous avez le sens directement. Et après, il y a juste donc pour ce côté-là à remettre la petite cale. Voilà. Magnifique, magnifique. Là, on a enlevé les plaquettes d'origine. Là, il y a William, il a été me limer un petit peu les plaquettes. C'est pour mieux les insérer, en fait. Hein, hein? Que tu les limes. Non, c'est parce que tu as toujours un petit défaut qui se crée sur le dessus. Ouais. Et du coup, comme ça, on part vraiment sur une surface vraiment propre.
Et puis après, bah. Bon, là, on a démonté donc les plaquettes d'origine qui sont ici. Donc là, on a les galfeurs. Donc visuellement, c'est pas du tout la même chose. On remarquera bon, qu'il y a un peu plus de céramique sur cette plaquette galfeur. Bon, après, les stries ici, je vous expliquerai pas à quoi ça sert. C'est pour la ventilation. Tiens, t'as l'axe. Il faut l'axe. On va venir se mettre en contact. Okay. Bon, ça y est, je suis content. Les disques avant et plaquettes sont remontés. Je reviens souvent sur ce mot-là, mais le design du disque, parce que là, je peux parler que de design, hein, j'ai pas encore roulé avec la moto, il est vraiment sublime, mais ah, c'est dingue. Hein. Ça change vraiment une moto. Hein. On va s'occuper des disques arrière. Donc la différence, par contre, sur celui-ci, il a toujours un design de folie, mais il est pas percé. On a juste des grosses ajourations qui sont ici, au lieu des petits trous là. Donc la ventilation se fait pas pareil en fait. Oh, c'est quand même magnifique hein, ce type de disque. Ça customise vraiment votre moto, mais encore plus. Bon bah du coup je suis quand même assez content de faire ça ici parce que ça me permet de toucher un petit peu à la mécanique. J'avais jamais changé de plaquette de frein et en fait on se fait des fois des idées, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est quand même très bien d'avoir fait ça à l'atelier mécanique parce qu'au moins j'ai William qui m'a aidé à changer mes disques et mes plaquettes. Il m'a montré ce qu'il fallait faire. Moi voilà, j'avais juste à démonter, à placer les plaquettes par la suite, les disques. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Donc vous voyez quand vous recevez vos disques ou plaquettes, le packaging, donc l'emballage est de très bonne qualité, au moins ils vont pas s'abîmer. Et on a cette petite notice. Pour les gens comme moi qui ne connaissent pas trop ce qu'il y a à faire, donc vous avez carrément le schéma. C'est expliqué en plusieurs langues, bon, la langue française évidemment. Et bon là, avec tout ça, quoi, vous pouvez vraiment vous débrouiller, changer vos disques vous-même, plus les petits tutos YouTube, et c'est parfait. Ça c'est pas magnifique. Tac. Ce qu'on va faire, là je vous montre, mais on va passer un petit coup de soufflette, on va remettre un peu de dégrippant comme ça pour les vis, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et après il y aura juste ça à faire. C'est formidable. Formidable! Allez, c'est le moment de s'occuper maintenant des plaquettes arrière quand on a mis le disque. Vous voyez la différence entre les plaquettes avant et les plaquettes arrière. Il y a quand même une différence de taille. Ok, donc tu te mets là. Tu deviens bien te poser. Comme ça? Ouais, vas-y. Maintenant, on fonce. Et voilà, t'es posé dessus. Tu remets tes vis qui sont là. Ça y est, c'est terminé. Vous avez vu, c'est moi qui ai quand même mis la main à la pâte pour changer mes disques et mes plaquettes. Donc ça, c'est super parce que ça, c'est vraiment pas courant.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que c'est pas courant justement que je fasse un peu de mécanique sur ma moto. Merci à cette marque Galfer de m'avoir envoyé ces disques parce que ça m'a aussi permis de toucher à ma moto et ça c'est pas tous les jours. Donc regardez-moi un petit peu ça. C'est quand même parfait. Hein. Là sur l'avant, franchement, elle a un look mais terrible. Hein. Ça a vraiment un look d'enfer. Bon là on l'a un peu nettoyé parce que c'est vrai que du coup ce matin il pleuvait, c'était pas top. Ça aurait été quand même mieux qu'elle soit nettoyée avant la vidéo, mais bon c'est comme ça. Bon bah en espérant que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on retouche, qu'on fasse un petit peu de mécanique sur les autres motos, sur la H2 surtout, ce serait marrant. Ce qu'il faut savoir c'est que vous retrouvez aussi le lien de Galfer dans la description. N'hésitez pas à aller checker leur Insta. Et quand vous allez chez votre vendeur, que ce soit Kawa, Honda, Yamaha, et que vous voulez changer vos disques, etc., n'hésitez pas à leur demander s'ils font cette marque. Parce que là, votre moto, elle aura un look d'enfer. Bon les amis, ça y est, ça fait 2 semaines en fait que je roule avec les disques et plaquettes Galfer. Donc là, je peux vous faire mon retour. C'est quand même mieux d'avoir roulé avec et... de pas justement vous avoir donné mon ressenti juste après le montage. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après le montage déjà on va dire que ça doit se faire pendant 20-30 km voire même un peu plus. Alors mon retour en gros sur l'arrière je sens que c'est légèrement mieux mais c'est vraiment tellement léger. En plus c'est un Z800 avec ABS donc l'arrière c'est pas non plus un freinage de ouf. Par contre sur l'avant, dès que j'effleure quand même le frein, je sens que ça freine beaucoup mieux. Alors attention, je pense pas que lors d'un gros freinage d'urgence, vous gagnez 1 mètre. Hein. On n'en est pas là. Hein. Mais je sens quand même que c'est nettement mieux comparé aux disques et plaquettes d'origine. D'abord que mon freine à 90% de l'avant, voilà, je sens que la fourche s'enfonce plus. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Après... sur ce type de moto, si vous voulez vraiment avoir un freinage de ouf, il faudra mettre des Durit Aviation. Ça c'est clair. Mais je pense que voilà, quand on change ses disques et plaquettes et qu'on souhaite un meilleur freinage, si t'as pas de Durit Avia, il n'y aura pas une différence énorme. Quoi. C'est mieux, il n'y a pas à dire. C'est plus esthétique, ça c'est sûr. Mais si t'as pas tes Durit Avia, tu pourras pas gagner les centimètres espérés. Parce que 20 cm ou 10, des fois, lors d'un freinage, c'est carrément autre chose. Donc moi, je les conseille. Niveau tarif, c'est quasiment pareil que l'origine. Donc je pense que c'est un bon choix. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description. Comme ça, et quand vous allez faire changer... disque et plaquette chez votre concessionnaire, demandez-lui s'il a du Galfer et comparez. Allez, bye les amis!